Et bonjour tout le monde, ici NeoStiger, on se retrouve sur Elder Scrolls Online, donc c'est en train de charger. Il y a une petite mise à jour à faire ce matin, je l'ai faite, hein, tant qu'à faire avant d'arriver. Il est pile 9h30, on commence. Comme vous avez pu le voir, j'ai mis la dernière diffusion, celle d'hier, sur YouTube, ainsi que Guild Wars, ce qu'on a fait au passage. Alors on attend que ça charge, en espérant qu'il n'y ait pas trop de lag. Comme d'habitude. Alors je suis avec le nouveau micro, je sais pas ce que ça va donner. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de réglages en ce moment. Donc on va voir. Excusez-moi, 2 petites minutes. Alors hop. On retourne sur Neo Stewitch. Allez, c'est parti. Allez, hop, alors je rappelle que hier on était. J'étais parti à la chasse à quoi? Ah oui, pendant la petite demi-heure on était parti à la chasse au bouquin. Donc on était parti chercher les livres collectés. Alors, pour éviter de se planter, réglage, extension, on va enlever les livres qu'on a déjà trouvés. Ça sert pas à grand chose. Je vous les remontrerai si vous voulez que je les montre. Sinon, ça sert pas à grand chose. Alors, le petit truc, oui. Avec le micro, je vois plus mon clavier, moi. C'est pas très grave. Alors, il y a un feu de camp ici. On a un cristal à aller chercher ici. Et on a une quête en bas. Donc on va aller chercher le cristal. Et on va aller chercher. On va chercher aussi celui-là. Le bouquin qui est juste à côté. Vu qu'on passe devant, autant le prendre. On va prendre ce bouquin-là, celui-là, le cristal, et on descend là. Et j'ai un livre à aller chercher dans le lavé. Ok. Alors les sons bizarres, c'est la bestiole. Hein, comme je vous ai dit, j'aime pas les bruits, mais bon, pas trop le choix. Elle est bien quand même, cette petite bestiole quand même. Hein. Et on continue quand même aussi notre minage quotidien. N'importe quoi. Ah bah, j'ai monté sur la monture, je me suis planté de touche. Hop là. Alors. Ah, ça commence. Ça veut jouer. Ça veut jouer. Dès le matin. On est au taquet, on est au taquet dès le matin. Allez, ça veut jouer. T'es où toi? Et Maurice? Ah, t'es là. Allez, Maurice, attaque! Attaque! Ouais, bon, d'accord, j'ai compris. C'est à moi de commencer, hein. Voilà, on est mort, c'est parfait. L'oratoire. C'est parfait, on commence bien la matinée, là on est mort, on est mort, on est mort, on est mort. Ouais, c'est vrai que le micro, ça me gêne un peu, je vois pas les touches, je vois même pas comment je suis placé. Bon, c'est pas grave, on recommence, on recommence.
Ouais, c'est juste une habitude à prendre. Ouais, d'accord. Une page de chargement comme ça en plein milieu, normal. Logique. Bon, ce qui fait que ça devrait m'emmener oui, à l'orée du cristal en fait. Bon, on va faire l'inverse. J'ai pas pu récupérer les vrais héritiers de l'Empire, dommage. Par contre, j'ai la pierre de la dame, j'ai le cristal céleste, j'ai un camp de je sais pas quoi à récupérer aussi. Et j'ai un chasseur qui... Ouais, d'accord. En fait, c'est une antre, il faut rentrer dans l'antre pour aller chercher le... Apparemment, c'est juste à côté. Alors, je vais chercher l'oratoire aussi, qui est, comme je viens de dire, juste à côté. Voilà. On va profiter pour activer. Alors, attendez. Oui, je l'ai pu. Le parchemin dès 1 heure. Vu qu'on stream pendant 2. J'en ai encore un autre. Et les classes célestes. Ah, dis-moi pas. Dis-moi pas que c'est ce que je pense que c'est. Dites-moi pas que c'est pas vrai. Eh ben si. Eh ben si, c'est le cas. Le cristal est sous terre. Et c'est un donjon. Tant qu'à faire, autant y aller à fond. Hein. On y va, on est motivé là dès le matin. Dès le matin, on est motivé. Je vous laisserai mettre temps de mettre pause pour les lire. Hein. Vous aurez la rediff sur YouTube de toute façon. Alors, où est le cristal? Ouais, non, ça c'était pas une question ça. Putain, le cristal est carrément à l'autre bout de la map. Bon, ben, on va devoir faire le donjon en entier. On est tout seul, c'est parfait. Un. Non, mais c'est pas juste, ils sont deux. Je m'en fous, si je suis mort, j'en ai tué un. Je l'ai tué. J'ai tué les deux, je suis trop fort. Ah, un BKM. Ah non, il n'y a rien. Ça, c'est un BK par contre. Ça apprécie, c'est parfait. Par contre, j'ai pas dû regarder mes touches. Au bout d'un moment, faut peut-être que je mette. Alors. Équipé. Ouais, d'accord. Ah, alors, il y a du people, je vais les suivre. Hein? C'était ça en fait que je voulais mettre quelque part, mais je sais plus comment on utilise la roue. Voilà, je viens de trouver. Attends, je les ai vus quelque part. Ouais. Et toi, je t'aime bien. T'es 165 champions. C'est parfait. Bon, on a un collègue. Impeccable. En plus, je récupère du. Ah, mais ça, c'est magnifique. Je sais pas ce qu'il est venu chercher. Mais comme ça, tout de suite. J'aime bien. Je vais le suivre. Ça me permettra de me faire de l'XP au passage. Il y en a un autre. J'en ai vu un autre. Le problème, c'est que c'est là-haut qu'il faut que j'aille. Un BKM, un BKM. Il est venu de là, je crois. Ouais, il est venu de là. Ah, les harpies de tout à l'heure. Non! Fin de tout à l'heure d'hier.
Hop là! Et ouais, ma cocotte, c'est comme ça que ça marche! Alors, le cristal est tout au bout là-bas. Bon, bah d'accord. Tu m'as pas vu, tu m'as pas vu, je suis pas là. Bon, par contre là, on n'a plus trop le choix. Je vais devoir la faire. C'est deux. J'ai pas vu le boss du donjon. Ça se trouve, il est complètement pas là. Impeccable. On a le petit éclat céleste. Impeccable. C'est ce qu'on était venu chercher de toute façon. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve le boss pour pouvoir avoir le donjon. On va voir s'il n'y a pas un truc par là. Il faut que je trouve le boss en fait pour avoir le donjon. Ça m'éviterait de revenir à chaque fois. D'ailleurs, on n'a pas regardé ce qu'on a récupéré tout à l'heure. Ce qui m'a un peu intrigué. Parce que c'est un bleu. Dans les armes. Un bâton de rétablissement. Ah, sympa. Bon. Il fait plus de dégâts que le mien, mais le mien est en foudre. J'avais dit que je resterais en foudre. Quitte à les créer. Donc je vais le garder. Alors, par contre. Par contre, dans ce donjon, ce qui est bien, c'est que je sais pas du tout où est-ce qu'il est. La grosse là-bas, là, la grosse. Enfin, elle est pas si grosse que ça, mais. Il est quand même grand, le bonhomme. Non, c'est une harpie normale. Il n'y a que des harpies normales. Alors. J'ai envie de dire la grande, hein. Il n'y a pas de mal. Hein. Qu'un complexe. C'est vrai qu'elle était plus grosse que les autres. Non. Alors, où est-ce qu'ils l'ont planqué? Bon, ça là, je vais être obligé de la taper. Ça se trouve, c'est même pas une harpie. Ça se trouve, c'est même pas une harpie là, le boss de la zone. J'ai pas fait gaffe qu'il y en avait deux. Foudroyer. Parle tout puissant foudroyeur. Non, je sais pas où est le boss de la zone, sincèrement. Alors, ça a posé des problèmes.
Ouais, c'est pas grave, c'est pas grave, on va y aller quand même. J'aimerais bien trouver. Alors, apparemment, il y a une quête ici. Je vous avoue que j'ai qu'une envie, c'est de la faire. Moi aussi, je vais faire des éclairs. Toujours pas trouvé le boss. Alors, est-ce que la quête emmène ici? Pas du tout. Ok. On le laisse frapper. Allez, on va y arriver. Impeccable. Alors ça a l'air de descendre. Je sais pas où ça nous emmène. Voilà. Ah là le boss. Soigne-toi, soigne-toi. Non! Éteins. Ah! Fais avoir comme des bleus. Je suis blasé. Putain. Nickel. Ah mais non, mais je les tape tous, c'est pas possible. Ah merde. Alors on est dommage quand même, là, on devrait y arriver. Voilà. Nice. J'ai récupéré ma pierre d'âme que j'ai bouffée sur l'autre. Nice, nice. Ce que je viens de récupérer, c'est pas mal. Franchement, c'est classe. Voilà, on a déverrouillé le succès. Impeccable. A plus qu'à rentrer. Fait, j'étais. Depuis tout à l'heure, j'étais devant le boss en fait. Je suis bloqué. Ah, ça la reset, je suis blasé. Ça la reset, je suis blasé. Ah, je crois que j'ai trop d'objets dans mon inventaire. Ouais. Ah, ça c'est dommage, ça, par contre. Hey, j'ai aussi récupéré. J'ai le 2 parts déjà. Impeccable.
J'ai deux parts de sangle épine. Ça, c'est plutôt pas mal. Ouais, je le monte quand même. Alors, les gants. Et les pieds. Les chaussures. Impeccable. Donc, ça m'augmente mes dégâts des sorts. On va avancer. On va pas rester trop là. Je vais même aller vider mon inventaire. Ah, on a la pierre de la dame. Alors, est-ce qu'elle est en bas? Est-ce qu'elle est en haut? Elle est tout est en haut. Bon, c'est pas très grave. Alors, ouais, c'est vrai que ça gêne un peu pour le. Ah oui, bah, je peux rien prendre, j'ai tout. Mon inventaire est plein. Bon, allez, on va les vider. C'est pas vraiment prévu, mais bon. Même pas sûr que je puisse ramasser de l'eau. Si. Alors, ce qu'on va aller faire tout de suite, on va essayer de trouver le marchand. Bah, j'ai un établi de bois juste à côté, c'est parfait. Par contre, je voulais le marchand des sacs. Marchand de sacs. Il est juste en bas. Donc, on va aller faire celui-là, on ira juste en bas. Ah oui, je sais que tu me cherches. Sauf qu'il paye. Non, c'est pas. Oui, non. Je me suis planté de maison. Hop là. Travail du bois. Alors, recherche. Je suis toujours en recherche. J'ai rien en foudre. Par contre, ouais, j'ai en. Le bâton. Je prends pas. Hop, un trait. 10 heures. Impeccable. Démontage. Défenseur. Lui, il a rien. Hop. Impeccable. Celui-là, c'est parce qu'il a juste quelque chose que je le garde. Hein. Sinon. Poids, poids. Alchimie, pas encore. On va aller voir l'autre. Oh, c'est juste à côté. Ça va me permettre de bien vider mes sacs. Alors, normalement, tout est ici. J'ai bien dit normalement. Alors, la banque, je me serais pas trompé de coin. Non, non, tout est ici. Alors, j'ai vu la banque, les cristaux, la forge. Hop. Arcanstone. Je sais même pas pourquoi je suis là-dessus. Notre problème. Si, atelier de couture. Impeccable. Alors, déjà. Alors ensuite, démontage. Alors les gants artisanaux, je peux les démonter. Impeccable. Les chaussures, pareil. Des pieds moyens et. Alors ça, c'est orné et ajusté. Alors c'est des jambiers à des pieds. Rechercher. Donc ajuster, ouais. C'est tout. Alors l'autre, c'est pour les vendre. De toute façon, on va le faire.
j'en ai pas, c'est dommage. C'est pas grave. Base de la forge. Oh, bon, en fait, cherche à voilà. Chercher la forge. Voilà. Maintenant, dans les recherches de trait, on va faire plutôt les armures. Voilà. Ça prend 5 heures, il est 10 heures, à 15 heures, j'irai en remettre un autre, comme ça évitera qu'on perde notre temps à le faire à chaque fois. D'accord, ok. Il me manque juste des pierres affûtées et puis je pourrais faire un foyer. Ouais, c'est pas mal pour les maisons, les trucs, ouais, c'est plutôt pas mal. Alors, complexe. Ah oui, il fallait faire une par une. Voilà. Alors, le problème de ça, c'est tous les trucs du débutant, mais elles ont toutes une chose en commun. Alors, la hache, c'est quoi? C'est une hache à deux mains. Hache à deux mains, mais en chargée, celle-là, elle est en précis. Voilà. Acéré, défensif à la masse, alors que l'autre défensif, il est à la hache. Ah, il y a tant de tignots qui stream. Donc voilà, chacun de ces trucs-là passera à la recherche dans 5 heures. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Alors, ça. Alors, lui, c'est pas un PNJ. Lui non plus. J'aurais bien trouvé le PNJ d'ici. C'est pas un PNJ, lui c'est pas un PNJ. Toi t'as un PNJ. Voilà. Alors bon, on peut acheter ça. C'est pas ce qui m'intéresse, je préfère plus vendre. Tout ce qui est orné en fait, ça coûte vachement plus cher à la revente. Donc c'est quand même vachement plus sympa de les revendre. Alors ça, j'ai fait ça, mais alors, je m'en sers pas. Pour le moment. Je m'en servirai plus tard, mais pour le moment je m'en sers pas, donc ça sert à rien que je les garde. Alors par contre, ce que je vais garder, c'est les motifs. S'il y en a qui les veulent, je les donnerai. Voilà, vous voyez, il m'en reste encore un, c'est 2 heures, donc bon, bah, j'utiliserai demain. Ou ça dépend ce qu'on fait demain. Je ne sais pas encore si on va rester sur... si on passe changer un peu. Bon, avec tout ça, il faut que je retrouve le marchand de sacs. On va laisser les amoureux tranquilles. Par contre, ce que je veux, c'est le vendeur de sacs. Où est-ce qu'il s'est planqué celui-là? Ah, il est là! 400 PO pour augmenter de 10. 2000 PO. Je sais même plus combien j'ai. Donc bon, on va, hein, du moins qu'on peut. Je crois que c'est tout. Hein. Ouais, moi c'est plus que, voilà, moi c'est plus que 1000. Mais bon, on peut transporter plus de choses. Vous voyez, j'ai déjà que la moitié qui est remplie comparé à tout à l'heure. Donc bon, on était parti. Je crois qu'on l'avait fait d'ailleurs. On l'a fait. L'oratoire, ça. J'ai pas collecté le grimoire. Apparemment, il était dans l'antre. Je vais retirer le marqueur. On va aller là. On va aller faire un peu les quêtes principales. Enfin, dites principales. Ça va changer un peu. Du farming de compos ou autre. Oui, d'ailleurs, en parlant de compos. On va. Hop, j'ai reçu l'émeraude, donc entraînement, très bien. Mince. Je disais entraînement, donc très bien pour l'XP. Hein, je vais pouvoir le mettre sur un des objets. Plus du bois brut, donc
Pour aujourd'hui, c'est pas mal ça. On va supprimer le message. En coutume, on a reçu Revigorant, donc augmente la récupération de santé, de magie et de vigueur de 3. C'est plutôt pas mal. Mais bon, je mettrai pas. Hein. Je mettrai qu'en entraînement du moment que je suis en mode entraînement. Je sais plus si j'ai le style d'orc, mais ça peut être sympa. Ça évite de les acheter. C'est quand même 15 PO le. 15 PO. Alors, c'est rien, mais bon. C'est toujours des PO de dépenser. De la sardonite. Ouais, pourquoi pas. C'est pas trop ce qui va me servir. On verra, on verra. Et l'enchantement. J'ai Jorah. Et j'ai Jurta. D'accord, why not? Hop, on verra ce que ça nous offrira demain. Alors, on a aussi. Je crois que c'est elle. On s'en fiche des chevaux. Voilà. Une fois, vu que c'est une fois toutes les 20 heures, hein, pas par jour, hein, mais c'est toutes les 20 heures. Ça nous permettra de récupérer. Alors, je vais mettre en capacité. Pour augmenter un peu quand même. Je vais être de plus en plus loin. Hop là! Ah, peut-être y en avoir d'autres. Bon, le port est juste à côté. Enfin, ce qu'ils appellent le port. Une instance en solo. Allez, c'est parti. Comment l'avez-vous trouvé? Ah, tu m'étonnes. Ouais, en même temps, si on comprend pas vers où on se rend, on prend une carte, quoi. Attends, on verra bien où est-ce qu'on se rend. Alors, je préviens un peu à l'avance. Cette quête est sympa pour tous ceux qui aiment bien le background. Mais si vous êtes comme moi, que vous l'avez fait 7 ou 8 fois, au bout d'un moment, c'est chiant quand même. Déjà, même au bout de la troisième, déjà, ça m'avait saoulé. Allez Boris, je te suis.
Ouais, c'est surtout en quoi ça me concerne. Ça marche. Bon, au moins il se traite de vieux tout seul, c'est déjà pas mal. Lui, pas gentil. La question c'est pourquoi est-ce qu'il voulait devenir enfant de dragon? Parlez-moi des autres compagnons. On va faire les 5, hein. Allez, on va faire le premier. Allez, Saishan. Ebnur Tarn. Allez, le traite. Ah, ce qui est dommage. Non, je vais parler après. Alors, le problème du traite, c'est que c'est un nécromancien. Le problème, c'est qu'on ne peut pas choisir la classe nécromancien, sinon ça serait le premier truc que j'aurais pris. Ce qui est dommage. Faut les observer où? Ah là-bas. Ah non, ici en plus, impeccable. C'est au moins.
Ok, super, c'est sympa. Excusez-moi. C'est génial. Salut, Alduin Morgoth. Alors, c'est génial. Ils sont peut-être pas tous morts, mais on verra. C'est génial. La question c'est qu'est-ce qui a mal tourné? Et ensuite? Y a pas le son du jeu. Ah. Attends. Je vais regarder. Varenne fut perdue. Dans le chaos, Saïssa ne s'empare. Alors peut-être un problème. Alors je sais pas si t'as le son. Je vais voir si on va l'avoir peut-être en double. Varenne fut perdue. Dans le chaos, Saïssa ne s'empare. Alors peut-être un problème. Alors je sais pas si t'as le son. Je vais voir si... Ok. Tarn demeura le chancelier du Conseil des Anciens et sa fille Clivia règne comme impératrice régente. Mais le véritable pouvoir se trouve entre les mains de Mani Marco et de son culte du verre. Alors, comment est-ce que Quand j'ai définir les découvert la Wolves? vérité sur les cinq compagnons, j'ai enquêté en douceur. Pas assez, semble-t-il. Mani Marco eut vent de mes menées et m'enleva. Il m'emmena à Havreglace, où je suis resté prisonnier, jusqu'à ce que vous me libériez. Donc il le voyait comme une menace. La vérité est toujours une menace pour les mauvais hommes. Mani Marco craignait que je révèle ses manigances, et si la vulnérabilité de Nirn était de notoriété publique, cela pourrait menacer les plans de son maître. Molag Bal ne laisse rien au hasard. Marchez avec moi. Bon, bah génial. Il fut écrit, il y a longtemps, que si l'amulette des rois était portée par les héritiers d'Alessia, Tamriel resterait protégée contre les forces d'Oblivion. Mais l'éruption des âmes a déchiré le voile entre les mondes et a fourni à Molag Bal l'occasion qu'il Bon, attendait. par contre, on va avoir un petit souci. Les encres noires de Molag Bal crèvent le voile déchiré, Hop là. attirent Nirn dans les profondeurs de Havreglace. Ces terribles machines de destruction apparaissent dans toute la mer. Les enfants. Alors ça, dès qu'on en verra une, s'il y a du monde, on ira les faire. C'est sympa, ça récupère pas mal de loot. Si le seigneur de la brutalité et de la domination parvient à ses fins, il fera fusionner nos mondes en une terrible coalescence. Peu survivront à cette épreuve, et même alors, ils seront asservis à tout jamais. Ok, ça marche, prophète. Allez hop. Alors, c'est à nous qu'échoit cette tâche, Vestige.
Nous devons arrêter Molag Bal et ses encres noires, ou notre monde sera condamné. Ça marche, on va aller taper tout le monde, entendez. Au moins, on sera attaqué. Bon. Voilà, c'est le commencement. Le reste de l'histoire reste à écrire. C'est la vôtre, à présent. Ouais. Alors, il a donné beaucoup à réfléchir, hein. Et il y a beaucoup à faire. Mais sachez ceci, vous ne serez pas seul sur ce chemin. Nous devons grandir en force et en nombre. Vous aurez besoin de plus de compagnie qu'un vieil aveugle. Si vous voulez altérer la marche de l'histoire... S'il faut combattre, ouais, vaut mieux qu'un vieux aveugle. Nous devons rassembler notre propre groupe de compagnons. Vous avez déjà rencontré la première. Lyris. Lyris a sacrifié sa liberté pour nous permettre de fuir. Elle reste prisonnière à Havreglas. Je dois déterminer sa position exacte si nous voulons la secourir. Ça prendra du temps. Ok. Alors que dois-je faire entre-temps ? Les agents de Manimarco tissent une toile de mensonges et de tromperies. Ils dressent les peuples de Tamriel les uns contre les autres pour détourner leur attention de la véritable menace. Cherchez ces agents où qu'ils soient et révélez leurs mensonges. Ok, donc je ferai mon possible. Pardonnez-moi. Alors, récupération de magie. Mon esprit semble m'avoir épuisé. Je dois me reposer. Je vous contacterai le moment venu. Ah oui. D'ici là, avancez dans la lumière. Impeccable. Et un point de compétence. On va nickel. Plus un niveau. Ah bah tant qu'à faire, fais pas les choses à moitié. Alors, on va équiper ça. Alors le glyphe léger, je sais pas si je vais. Je suis déjà enchanté en fait. Et puis ça, je vais la changer dans pas longtemps, donc ça sert à rien. Je vais la garder la glyphe. Quoique je peux la mettre sur le casque. Je suis 16 quand même. Non, je vais pas tarder à tout changer, donc c'est pas la peine. On va garder le glyphe pour le moment. Voilà un garde de deck filant près du manoir. Bon allez hop, on va aller faire cette quête. Et en suivre une autre. Ah oui, j'ai voulu aller voir, il y avait quelque chose ici, un château. Vu que c'est à côté, autant y aller. J'ai un niveau 3 en face. Ah, c'est le surplomb de Dyke Finance. Alors l'immobilier, ok. Alors pas fait gaffe. La map, elle nous conduit où ? La map nous dit qu'il faut aller complètement à l'opposé. On va chercher le dernier grimoire qui se trouve à l'intérieur, l'éclat céleste. L'éclat céleste, oui, bah, déjà qui est dans un donjon public, forcément. Le grimoire de connaissance qui est pas du tout là où on l'avait cherché la dernière fois. Et après on ira s'attaquer aux quêtes.
là. Oui, allez, on la prend. Ça permet de faire monter l'alchimie et de faire monter les autres capacités après. Là, je ferai des potions beaucoup plus puissantes une fois que je connaîtrai tous les. Le moment est venu. Venez me retrouver voilà. Près de Danfiance. Ils viennent nous dire quelque chose. On ira après. Je pensais pas que ça aurait été aussi rapide. J'avais un peu oublié que j'étais niveau 16. Alors, normalement, c'est tous les 5 niveaux, si je me souviens bien, sachant que le premier commence dès qu'on arrive ici. Ou à partir du niveau 10, je sais plus. La map. La map m'a dit que j'avais. Bah d'accord, les livres sont en bas. J'étais un peu loin. Et en plus, il n'y en a pas qu'un. Hein, tant qu'à faire. J'en ai 3. Alors j'ai testé celui-là à la base que j'allais chercher. Il peut être à 3 endroits. C'est plutôt ça qui était important à savoir. C'est qu'il pouvait être à 3 endroits. Donc dans cette maison. Là, je crois. Alors, ce qui sera pas le cas. Hein, si vous regardez, y a rien. Donc ça serait pas ici. Donc si je pouvais l'enlever, je l'aurais enlevé parce que c'est pas bon. On va aller voir près des chevaux, donc de l'écurie. Déjà, je voulais vérifier que je me suis, voilà, je me suis pas trompé, c'était bien ici. On va aller près de l'écurie vérifier. S'il est pas là, on ira au dernier tout en haut. Alors, si je me trompe pas, il devrait être ici. Ah là, il est là, le code de Moloch. Je rappelle qu'on fait ça uniquement pour avoir les compétences de la guilde des mages. Donc, voilà, il n'y a plus de livres. Hein. Et par contre, on est parti pour aller chercher le cristal, donc qui se trouve juste là dans le donjon public. On va y retourner. Alors c'est le même donjon que tout à l'heure. Ouais, que j'explique. C'est exactement le même type de donjon que tout à l'heure. Ça veut dire que je vais rencontrer des gens dedans et s'il y a du monde pour m'aider à tuer, ben, je vais les suivre en fait. Sûrement remarqué. Je voulais aller tout droit. Ça va être un peu complexe. Tout droit, c'est. Ça va pas vraiment être possible à moins qu'il soit réellement en haut. Voilà. J'ai mon repère personnel et il me dit qu'il est sur la plage. Là, je m'en doutais un peu. Hein. Là, fallait s'en douter. Alors, il y a du monde devant. Alors j'espère qu'il y a du monde dedans. Qu'est-ce que c'est? Du fer noble. Impeccable. Ok. Alors normalement on a des quêtes hein, qui reviennent ici. Là, la question des quêtes, c'est même pas à se poser, je les ai pas.
l'air de mal. Du malandrin. Alors, je le connais pas. Celui-là, je ne le connais pas du tout. De toute façon, tout ce qui se passe dans cette zone, je ne sais rien. Alors, à part que. Voilà, on va chercher un éclat céleste qui est quelque part sur cette map. À part ça, je ne sais rien. D'ailleurs, je sais même pas s'il est réellement dans la zone. Alors, l'oratoire est ici, c'est déjà pas mal. Je sais où l'oratoire. J'ai dû faire expert, c'est pas mal aussi. Non, c'est bien, on commence bien déjà. On commence déjà à se remplir les poches. Mais alors, ouais. Tiens, on va aller là-bas. Le sanctuaire, il a l'air d'être génial. Hein. Alors, franchement, génial. Mais c'est tout, quoi. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah, ah d'accord. Je suppose que c'est là, c'est des copains. Ok. Alors, si en fait, je crois que j'y suis déjà allé. Et on va aller faire la quête. Mais alors. Quelle belle journée! Bienvenue au Festival des Moissons! C'est la première fois que vous venez au sanctuaire du Malandrin? Le Malandrin est l'un des anciens dieux, la cause de toute querelle et des moissons malheureuses. La croyance locale veut qu'ils doivent être apaisés pour que les récoltes soient abondantes. Ce ne sont que de simples superstitions, mais c'est un excellent prétexte pour faire la fête. Oui, bah, faisons la fête! Tout d'abord, nous remplissons des paniers de pommes fraîches et des sacs de bons grains avant de les jeter dans les flammes de l'autel sacrificiel. Après quoi, les festivités peuvent commencer. Si vous nous aidez à rassembler les offrandes, je veillerai à ce que vous soyez notre invité d'honneur. Alors, techniquement, que nos humbles offrandes attirent la miséricorde de Shéor sur nous. Ensuite, nous festoirons. Alors, on va aller ramasser les pommes, les trucs, les machins. Mais je sens le coup fourré quand même. Je l'ai jamais fait, mais alors là je sens le coup fourré planer. Alors on va se mettre déjà sur la quête. Voilà. Déjà on va se mettre sur la quête, ça sera déjà plutôt pas mal. Ah, les deux autres sont là. Frères et sœurs, ce nouveau venu a fait une offrande au Malandrin. Réjouissez-vous à nos côtés. Oh, attends, ils sont à côté d'un arbre. Malandrin, main sévère de la moisson, maître des chancres et de l'abondance, accepte ce présent, nourris-toi et deviens plus fort. Que sa fin ne soit jamais apaisée, que ses racines descendent toujours plus profondes. Bien joué! Pour en finir, vous devez disperser la terre dans le feu. D'après la légende, nos récoltes se nourrissent de la terre du sanctuaire, comme le Malandrin. Et puis, c'est une tradition. Faites-nous plaisir. Voilà, c'est ce que je craignais. C'est ce que je craignais en fait. C'était de tomber, de me faire piéger.
Alors, ah, une Spigardia. Ah non, il est en mode loup-garou. Ah, sympa. Sympa l'aspect loup-garou. Sympa. Après, je sais pas si c'est le plus opti, mais sympa. Sympa l'aspect loup-garou. Le cristal. Par là, nickel. Ah, il est en bas. Ah, bon bah tant pis, je suis tombé. Lui aussi, avec câble. J'ai perdu le loup-garou. Reviens là. Croiser un loup-garou, on a son bouclier. Ah, c'est beau ça, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Non, non, mais c'est... On est trop fort, on est trop fort. On vient de faire le donjon que... on voulait faire. Enfin, non. On veut juste récupérer un truc, on l'a fait. Je vais le suivre. Je sais pas où il va. Nickel! Des trucs qui me serviront pas, mais c'est bien! Franchement, c'est plutôt pas mal. Ok, d'accord, génial. Je sais pas du tout. Nickel. On va tuer le malandrin. Même le serpent donnait plus que le malandrin, c'est génial. Alors, le journal des quêtes, on va l'ouvrir parce que fouiller les souterrains, d'accord.
D'accord. On va ressortir. Il y avait un truc que j'ai pas dû faire au complet. Non, on va y retourner, hein. Parce que je crois pas qu'on l'ait fait au complet. Ça me paraît bizarre. Une chose, ça. Vous n'êtes pas l'un des leurs. S'il vous plaît, aidez-moi à me libérer de ces racines, et je vous expliquerai tout. L'instinct de survie. Les racines d'abord, ensuite. Ce chalk mort là-bas. Je l'ai tué juste avant que ses racines ne m'agrippent. Découpez sa glande à feu, et utilisez-la pour brûler les racines. Vite! Ok. Vous êtes arrivés à point nommé. Nous avons beaucoup. Ce n'était pas un festival de moissons. Ces gens sont des adorateurs de Dédra, et nous courons un terrible danger. Super. Nous sommes directement sous l'arbre. Sauf que ce n'est pas un arbre. C'est un seigneur d'Edric mineur. Ses racines sont la clé. Il s'en sert pour canaliser de l'énergie noire, bon. De la même manière que vous m'avez libéré. On va passer. Des glandes de chalk pour brûler les racines dans ces cavernes. Okay. Cela devrait l'affaiblir. Oui, j'en suis sûr. Bon. Faut brûler des racines et faire des trucs. Ah, ils ont tué les... Ah, et puis y en a un autre. Ah, vous d'accord. Là. Fascinant. Mon nom est Finvir. Le Dremora a tué beaucoup de mes compagnons. D'accord. Apportons pas Oblivion, s'ils veulent. Pourquoi là, j'en ai aucune idée, mais... de me taper tout le chemin encore une fois de plus. Voilà. Dernière gemme.
Oh, le goinfre, j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait le serpent et le goinfre. Ok. Il m'en a laissé une. Sur le reset. Et tout ça, je sais pas où est-ce qu'il avait trouvé son... Alors, c'est fait? Tiens, je t'ai joué. Au travail! Une fois congédié, le Dremora ne sera plus jamais en mesure de... Okay. J'ai une babiole dans ma collection. Adieu, mon ami. Je ferai en sorte que le rituel se déroule convenablement la prochaine fois. Ouais, c'est génial. Je suis content pour toi. J'ai rien à secouer. C'est pas grave. Bien savoir où est-ce qu'il y en a. Depuis le début, j'en trouve pas d'autres. Ah, donc il n'y en aura pas en face. Non, faut que je retourne en bas. J'ai dû en rater une quelque part. Voilà pourquoi. C'est que j'ai plus de scarabée, donc j'ai plus de... Super. Là. Eh bien, vous avez attiré son attention. Je sens son énergie qui oscille. Il est énervé. En même temps, vous j'ai brûlé. Vous avez certainement attiré son attention. Il nous faut maintenant le combattre, lui. Voici les glandes que j'ai récupérées. Nous devons trouver le moyen de les donner directement au Dremora. Ok, super. Nicolas est vivant? Cet
sort dur, ce traître, ce menteur, il faisait partie de notre cercle. S'il a survécu, il a dû passer un accord avec les Dremora. Super. Mais il se peut que vous ayez raison. La réponse peut se trouver sur cet hôtel. Bon, bah c'est sympa. Maintenant, faut que j'y aille. Alors, faut que j'aille encore tuer le Dremora, le Maladroit. Ce qui est génial, c'est que il est un peu surpuissant. Nous avions tort. Il est en colère. Voilà. Tant de morts. Vous êtes vivant. Bien sûr, son courroux n'est apparu qu'après que vous avez été consumé par les flammes. Son courroux. Après votre sacrifice, le Malandrin est devenu enragé. Il s'en est pris à nous. Il a fait pleuvoir la mort sur le bois qui a été consumé par les flammes. Et maintenant, vous revoilà. Qu'avez-vous fait? Bah, j'ai brûlé les racines en dessous, à l'aide des glandes de Chalk. Mais bien sûr, c'est peut-être le seul moyen de le vaincre. Maintenant, vite, brûlez les glandes de Chalk sur son autel. Il sera obligé de les consommer, et elles le brûleront de l'intérieur. Dépêchez-vous, c'est notre seule chance. Ouais. Alors lui, il est mignon. Hein? Déjà, le cyclone, il est sympa aussi. Il est mignon. Je suis un peu tout seul. Tout à l'heure, on était deux, trois même. Alors... Je sais même plus comment les mettre sur la roue. Raccourci. Alors, en raccourci. Hop. Magie, c'est toujours bon. Hein. Alors, augmente la récupération de santé. Augmente la récupération de santé. Oui. L'un ou l'autre, de toute façon, il va falloir que je... On va juste les échanger. Hop, ce côté là, ça, ce côté ça. Tonique vigueur, c'est parce que j'ai besoin. Sérum de santé, ce que j'ai pour cœur, j'ai de santé, ça. Ça sent poison, ça aussi. Ça. C'est quoi ça? Projette une lueur d'outre-tombe sur qui la porte. Ouais, ok, super. Guerrier dragon. Ouais, j'aurais préféré qu'il y ait d'autres personnes. Parce que je le sens complètement pas. J'aurais même préféré avoir d'autres compétences. Mais là, on va être un peu mal. Voilà, pour choisir 20, je le suis pas. Alors, on va voir s'il y a du monde qui l'attaque. On va voir s'il y a du monde qui l'attaque. Et en attendant, je vais aller me chercher 2-3 petites choses sur le net. Hein, c'est un peu complexe, mais bon. Alors, j'avais des sorts actifs, j'avais utilisé 2-3 builds qui étaient complètement pas ceux que j'ai trouvé actuellement.
ce qui va pas franchement aider. C'est génial, j'adore ça, il n'y a aucun build qui correspond à rien. Non mais j'adore quand ça se passe comme ça. Il n'y a rien qui ne correspond à rien. Bon, et au passage, j'ai complètement quitté le tableau de bord, donc je vois même pas si quelqu'un m'écrit un message. Bon, alors on va faire un mix pour le moment. On va dire que j'en ai un peu rien à faire. On va faire un mix. La forme de foudroi, prendre celle-là. En magie noire, j'ai rien fait en invocation d'Edric, le fauche-clan instable. Je crois que c'était. Oui, c'est celui-là en plus que je voulais. Ça, on va prendre les classes. Le cristal d'éclat. Voilà. Il y en a un qui fait mes muses, c'est parfait. Ouais, ça me permet d'aller à... Ça te dirait de reprendre toi là-bas? Putain. J'ai cru que j'allais y rester. Je l'ai senti. Un mouvement dans les plans. Est-ce fait? Ah ouais, elle est plus là. Nous devons quitter cet endroit. Maintenant que le Dédra a été congédié. Bon. C'était génial. Je me suis bien éclaté. Voilà, on a terminé. Alors, est-ce que j'ai encore une quête à faire ici? Non. Alors, j'ai plus de quête à faire ici. C'est parfait! Parce qu'on a qu'une envie, c'est de se barrer. Barrons-nous. Youhou. Bon, il reste une petite demi-heure encore. Ouais, bah, c'est maintenant qu'il up level 20. Oh, je vous jure. J'en peux plus de ce jeu, j'en peux plus. Il up level 20 quand il n'y en a plus besoin, quoi. Bon, bref. Alors, on va remonter. Je ne pense pas que mon sac soit plein. 50. Ouais, non, c'est encore parfait. Je vais aller, on va aller. Donc j'ai collecté, le donjon est fait, donc c'est pas mal. Alors, ok, c'est là où peut se trouver le truc des fils sans nom et ça. Ok, on va dans cette zone-là. On va chercher, trouver le livre et faire cette quête-là.
Ah, c'est... ça va être le plus simple pour suivre la route. Je pense que ça va être le plus simple actuellement pour le peu de temps qui va rester. Bien. Je resterai peut-être encore un petit peu plus longtemps qu'11h30, on verra. On verra. Alors, c'est bon, on va. Déjà, si je me trompe pas, ce serait peut-être mieux. Voilà, la sortie est là. Alors, le donjon public étant fait, le cristal étant récupéré, le malandrin tué, on va aller chercher 2-3 bouquins. Je pourrais les faire hors live, faire que des quêtes, et faire que des quêtes ou des donjons, c'est pas le plus intéressant. Alors, en précisant que là où je trouve un bouquin, c'est pas forcément le cas que vous allez trouver le bouquin aussi ici. Comme vous avez vu, les bouquins sont à plusieurs endroits sur la map. Et vous pouvez ne pas tous les trouver à un seul endroit. Alors, il me dit qu'il est peut-être dans la maison commune. On va aller voir. S'il est là, on passe au suivant. S'il est pas là... Ah tiens, il est là. Impeccable. Alors, le livre est le premier découvert. Au suivant. Vous voyez, ils ont disparu. J'ai plus rien ici. Il y a des quêtes. Il y a des mobs qui ont brûlé de partout. Il y en a un qui m'attaque. Il attaque surtout mon fauchement. Oh. Alors ça c'est un truc que j'aime pas. Les frigans, c'est bien le seul truc que j'ai horreur sur le jeu. Ils étaient plus forts que ça dans mon souvenir. Même beaucoup plus forts que ça. En fait je les aime bien. Maintenant ils sont morts, ils meurent plus vite. Ah non, c'est parce que c'est ceux qui apparaissent de la zone. C'est pas ceux qui apparaissent comme ça de temps en temps. Alors, oui, j'ai dit que j'avais un bouquin aussi ici. On va le chercher, en espérant qu'il y soit. Juste au-dessus, tout droit. Alors, c'est pas dit qu'il y soit, mais bon, s'il y est, ça pourrait être sympa. Bah, voilà. C'est pas la chance d'hier. Hein. Hier, on a passé une demi-heure à essayer de les trouver, on n'a pas vu un seul. Aujourd'hui, on passe 3 minutes. On les a du premier coup, impeccable. Alors, les bouquins, ça fait pas tout. On va faire l'oratoire. Ah oui, les quêtes, on reviendra pour les quêtes. Hein. Vous inquiétez pas. On reviendra pour les quêtes. J'ai un bouquin, une quête, un truc à voir, un bouquin, une quête, un truc à voir. Le bouquin, la quête après. D'accord. Je crois que j'aurais dû faire la quête. On va m'emmener dans cette zone là. On va d'abord faire la quête. La capacité de l'ouragan. On va faire la quête. Vous allez tomber sur un problème. Des bandits. Voilà. Vous feriez mieux de faire demi-tour. Nous ne pouvons pas garantir votre sécurité. Alors ce qui est bien, c'est que je veux pas que tu la garantisses ma sécurité. Hein, je vais aller taper du mob, hein, fracasser du monde et trouver des bouquins. Les freux écarlates sous la tour d'Ilessan. Ces bandits mettent toujours leur nez là où il ne faut pas. Alors, merci pour cette information. Voilà. Elle explique mieux cette attaque. Nous pouvons maintenant surveiller la ville. Je suis un mage. J'aime bien l'armure légère, tu vois. J'aime bien le vieux mage en robe et tout.
Il me propose du cuir. On va appeler cuir. Cuir, ferraille et puis tissu. Il me propose du cuir. N'a pas de l'armure moyenne. Hein? Why? Mais why? Je ne comprends pas. Faites attention en chemin. Les freux écarlates peuvent être n'importe où. Ouais, ouais, si tu veux. Tiens donc, encore un trompe-la-mort. Eh bien, puisque vous êtes si coriace, allez donc parler au capitaine. Ouais, ouais, je vais aller le faire. Alors, le capitaine, ça doit être celle-là. Hein, qui nous donne la quête. Nous devons déloger les bandits. Qui veut qu'on aille déloger les bandits qui sont là où il y a le bouquin. Les freux écarlates gardent des otages. Ouais. Alors, j'ai toujours un plan. Ces freux écarlates font garder leur camp par des loups apprivoisés. J'imagine que cela les rassure. Ça les rend aussi trop confiants. C'est là que mon plan intervient. Ah, ça peut être intéressant. J'ai besoin que quelqu'un se faufile pour porter un peu de détresse de loup aux otages. Cette plante leur permettra de sortir sans attirer l'attention des loups. Les otages sont bouclés dans la maison du noble. Alors vous aurez aussi besoin de la clé. Nous pourrons vous aider une fois que vous aurez sorti les nobles de là. Mais gardons hâte de se frotter à ces brigands. Par contre, soyez prudents. Et bonne chance. Ok. Alors, on va y aller. Voilà, c'est tout ce que je voulais. Ah, il y a un livre. Ah, il y a un livre. Ah, je peux pas. Il y a un livre. Il y a un livre. On peut pas ne pas y aller. Il y a un bouquin. On va aller chercher le bouquin. Voilà. On se sépare. Le bouquin est plus loin et il y a les suturés qui sont là. On a un panier de légumes là. Alors le livre devrait se trouver. C'est quoi aujourd'hui? C'est j'ai de la chance ou on a trouvé. Alors je dois avoir une quête qui doit me ramener là. Là c'est parce qu'il y avait un bouquin qui était à côté donc je voulais le chercher. Ça m'évitait de revenir. Alors à moins que hier c'était tous le même livre. Et que bah on l'a pas pris, enfin, on l'a pris une fois et puis bah, on l'a cherché plusieurs fois. Ce qui m'aurait pas paru bizarre vu que j'ai pas décoché ce que j'avais fait hier. Alors, là, c'est ce que j'ai fait. Allez, on y va, on trouve le bouquin et on fonce. Et on fait la quête en même temps. Alors, déjà, on chope ceci, la détresse de loup. Alors, voilà. On va prendre ça, et apparemment, il serait juste là. Alors, le bouquin serait là. Mais oui, le bouquin est là. Et, alors, ce qui est bien. Et comme vous venez de le voir, j'ai récupéré quelque chose que j'ai toujours pas sur moi. Là. Voilà. Je me suis déguisé en eux. Hein. Mais je peux toujours me faire attaquer par les loups. Pas par eux, mais par les loups. Alors le petit côté génial. Ouf.
j'ai pris cher. Le petit côté génial dans ça, c'est que faut que j'aille en face. Une fois que j'aurai récupéré les 5. Alors, j'en ai 4 sur 5. Le sac à dos du Freud, donc le déguisement. Alors, on va éviter de le mettre. Hein. Si c'est pour le perdre tous les 4 matins, ça sert à rien. Si, en fait, faut l'utiliser pour passer inaperçu. Le problème, c'est que bah, s'il pète à chaque fois, c'est pas cool, quoi. Faut me comprendre aussi. Ouais, on passe pas inaperçu en fait auprès des loups. Voilà. Je passe complètement à côté et mon familier déclenche le piège. Trouver un porte-clé. Ah, d'accord, bon, là c'est complètement moi. Hein. Je crois que ça doit être ça, la maison des nobles. Voilà, j'ai pas la clé donc je peux pas. Et il faut que je trouve un porte-clé. Alors, bon. Oh, d'accord, ça commence à bien faire, c'est loup qui traîne de partout là. C'est une blague. Je viens pour chercher un porte-clé. Il m'envoie directement chercher un déguisement. Bon, je veux bien prendre le déguisement, d'accord. Pas comme si c'était la troisième fois que je le remettais. Mais j'aimerais bien trouver un porte-clé. Ah, alors cette fois, bizarrement, je suis copain-copain avec eux. J'ai trouvé le porte-clé, je crois. Voilà, la boîte à clé. Impeccable. Bon. Alors maintenant qu'on l'a trouvé, on va peut-être pouvoir aller libérer les otages. Alors. Oh, il est mignon, je le veux. Je veux le petit chat. N'ayez crainte, ma colombe. Un autre bandit dans ma maison ? Dans ce cas, en garde ! Comment étais-je, ma chère ? C'était assez imposant ? Je viens vous sauver. Quel sauvetage magnifique ! C'est très excitant ! Ces ruffians sont arrivés par quel bateau. Noble ! C'est très malin. Ils arrivent depuis l'eau, attaquent des caravanes sur la route, puis mettent les voiles. Mais la garde est arrivée, et ces bandits ont posé des pièges sur ma propriété. Retirez ces pièges, ou nous ne pourrons pas partir. Je sais. Prenez mon corps de chasse, il est à l'étage. Puis retirez les pièges et créez une diversion. Mettez le feu à quelque chose. Les Freux écarlates auront ensuite trop à faire pour s'intéresser à nous. C'est pas faux, c'est pas faux. Que la voie est libre. Ok. Un instant, l'ami. Je vais vous libérer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, mon amour. Veuillez excuser mon mari. Il a tendance à en faire trop. Non, Mara, sois louée. Mais ma boîte à bijoux va me manquer. Elle était dans ma famille depuis des générations. Nous pourrons remplacer le reste. Je suis soulagée d'être en vie. Ouais, la question c'est où est-ce qu'elle est. C'est le chef des bandits qui l'a prise. Un orque, un certain Tarkul. Voilà. La boîte ne s'ouvre que pour les membres de ma famille. Hein, je lui ai dit, mais il s'en fichait. Si vous la récupérez, je vous récompenserai. Ah, récompense, tuer, ouais, ça marche. Une fois que vous aurez récupéré mon coffret, gardez-le précieusement jusqu'à ce que nous soyons loin de ces maudits bandits. Ok, ça marche. Oui, mon ancêtre a fait fabriquer la boîte à bijoux pour protéger ses objets de valeur pendant qu'elle était en mer.
Elle est liée à son sang, si bien que seuls ses descendants ou elle-même peuvent l'ouvrir. Elle se transmet de mère en fille depuis lors. Des bijoux, bien sûr. Plus précisément, les chevalières des Noëlhomme et les bagues des familles unies à la nôtre par les liens du mariage. Nous les classons et les rangeons soigneusement dans la boîte à bijoux. Nombre d'entre elles remontent à plusieurs générations. Ça marche. Allez, en avant mes braves compagnons. Alors, trouver le corps de... Ouais. Faisons mumuse. Alors, salut à toi, Shenron. Je suis un peu comme toi en fait. Tellement je l'aimais, j'ai pas fait attention. Alors je sais que on peut les réattribuer, mais alors comment je t'avouerai que je crois qu'il faut que tu ailles dans la boutique. Si je me souviens bien, ça doit être dans la boutique. Et. Je vais trouver ça. Respécialisation. Parchemin de respécialisation des compétences. Donc ça te coûte 700 couronnes. Voilà. J'espère avoir répondu à ta question. Qu'est-ce qu'il me manque ? Ah oui, d'accord. Enfin là ça fait un peu beaucoup. Je peux pas les m'attaquer aux autres. Eh ouais. Alors si tu t'abonnes à les O+, en plus de l'abonnement, des trucs que t'as en plus du style des 10% d'XP supplémentaires ou autre, tu reçois, je crois que si je veux pas me tromper, c'est 1500 gemmes. Juste pour un mois d'abonnement, ce qui te permet de d'XP plus vite. Donc, quand tu montes niveau max, après ça augmente avec tes points de champion. Tu peux trouver, tu pourras respé en fait sans problème. Qui me sert à rien, ça me sert. Je prends tout. Oh là 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 là. Alors elle m'a enlevé toute la vie en une fois. Ah, voilà Big Boss. Bon, alors Big Boss, c'est un Big Boss. Le Fauche Clan est bon. Bon allez, c'est parti. Ça ne dit pas où il a pris ses bijoux. Voilà. Alors déjà, ça, c'est fait. J'ai trouvé la boîte à bijoux. Alors, le petit problème, c'est que le corps de garde est à l'intérieur. J'étais parti chercher la boîte à bijoux, mais j'ai oublié le corps de garde. Ah, c'est qu'à la base, il y avait quelqu'un dedans. Ah, pas quand je suis en tête alors.
Voilà. Alors, un déguisement. Un bouquin, je laisserai les gens mettre pause sur YouTube ou sur la rediff pour le voir. Voilà. Alors, j'aime bien les trucs imprévus comme ça. À faire, autant fouiller. Pierre de lune, nickel. Des betteraves, pommes de terre aussi, tiens, hein, c'est de la nourriture. Augmente la santé pendant 35 minutes. On la prendra, ça nous servira pour le stream de demain. Ah, ou après-demain, je sais pas encore si demain je fais du TESO. Sa petite boîte. Oh, très cher. Oh, je ne pensais pas la revoir un jour. Et elle est encore verrouillée. C'est merveilleux. J'ai tellement de bons souvenirs dans cette boîte. Ouais, non, merci c'est... de votre... Veuillez excuser mon mari. Il a tendance à... C'est même mieux de la vendre, en fait. Ouais, éviter de vider toute la baraque aussi. Bon, on a le corps. Faut désarmer des pièges. Alors 5 pièges. Voilà, on va les désarmer. Rien de bien compliqué. Ah, ok. Je m'écarte un peu de lui. C'est la même quête. Ah, les pièges sont désarmés et on peut rouler le bateau. Il est sympa le mec. Ah, attends. Hop là, c'est la mini-map, elle bug un peu. Ok. Donc en fait il me demande d'aller à l'autre bout, rouler le bateau et revenir. D'accord, why not? C'est une diversion comme une autre. Le principe de base reste de la diversion. Oui, forcément. C'est moi ou à l'emplacement du bateau, il n'y a pas de bateau. Ah si, il y a un radeau. Oups. Il y a un radeau. Allez, j'appelle pas ça un bateau. Excusez-moi. Ah si, c'est un bateau. Allez. Ah d'accord. Ok, j'ai compris le petit truc. Voilà. Voilà. Parfait. Super. Je tape dessus pour me dire c'est bon, je peux partir, tranquille, je mets le faux bateau, je me casse. Non, non, non. Ça, c'était dans le meilleur des mondes. Yeah. Mais non. Il fallait que je décide de tomber. Ça paraît bizarre de...
monter sur le bateau. Enflammez-moi ça. Alors, d'ailleurs, vu que j'en ai un, on va l'utiliser parce que c'est pas que j'aime pas les avoir, mais c'est que ça sert à pas grand chose. Où est-ce qu'il est? Froid et calme. J'en ai encore un de sans répit. Voilà. Bon, ça sera fait. Tu as 2 FPS sur mon laser. Ah. Merci scénario. Alors, enfin, je regarde après pourquoi le pourquoi du comment. Je regarderai ça après. Je pensais que ce son de corne était un signal lorsque ouais, j'ai vu les nobles s'enfuir. Bien vu. Bravo. Alors, je valide la vidéo. Enfin le... Et effectivement. Ça lague un peu. J'essaierai de faire ça pour le prochain live. Il me reste 5 minutes. Même pas. J'essaierai de mettre tout ça au point pour le prochain live. Scénario, merci. À toi. Oui, je voulais voir ce qu'on avait récupéré quand même. Ah, je viens de récupérer une robe que je ne vois pas. Ah, la tabarde du loup. Ouais, ça reste toujours en moyen. Hein. C'est pas le... Le collier d'image, je vais le mettre. Alors, pour les 5 dernières minutes, on va aller jusqu'au cristal tout en haut et voir aller chercher un des livres. Pour la pour le dernier ah, et peut-être aussi ici pour la fin on va aller chercher l'éclat céleste pour les 5 dernières minutes. Ah, attends, on va faire un petit réglage de dernière minute en espérant que ça passe.
rien que le temps de faire le truc, ça sera déjà l'heure. Bon, allez chercher quand même le dernier éclat céleste. C'est long quand même. Hein, Alors, comme j'ai dit, on va aller le chercher. On va faire vite. M'arrêter, on va y aller directement. Oh, je suis pas à 2 FPS hein. Non. On a découvert un nouveau donjon, on a récupéré les classes célestes, on va s'arrêter là-dessus les amis. En espérant que cette vidéo vous ait plu, vous aurez tout de suite, là, juste après, le replay sur YouTube. Vous aurez le replay sur YouTube tout de suite après. J'espère que cette vidéo vous plaira, que ce stream vous aura plu. Vu que je fais les deux, la qualité des images ne sont pas non plus... top. Veuillez m'en excuser. On s'arrête sur ces belles images d'une personne qui vient de récupérer. Là, je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.